Relance de suite les amis, on est de retour encore une fois pour du coup pour le replay cette sixième partie de comme je l'ai appelé sur le titre de ce live là, ma vie de Raccoon City en compagnie du Némésis. Voilà, allez, c'est parti. Cette fois, on est parti pour aller chercher le. Ouais, le. Non, vas-y, saute dans les bras des zombies, toi. Genre, alors, les zombies sont à ongle droit par rapport à moi et genre, je les ai touchés, quoi. Mais non. Je découvre des choses par rapport au jeu. Ouais, on est parti chercher l'antidote pour Jill, les amis. Oui, mais bon. On est quand même bien content que Wesker n'ait pas infecté le monde avec. Oui, c'est sûr. On est bien content qu'il ait pas infecté le monde avec, même si on est obligé de le tuer pour ça, quoi. Voilà, du coup, voilà, on découvre au passage là les dégâts qu'a causé l'hélico. C'est. Non. Voilà. Le truc qu'on a ouvert avec la clé Chronos. Un peu là, ouais, direction l'hôpital, et bah c'est à l'hôpital qu'on va avoir les Hunters d'ailleurs. Bonjour. Bonjour, je me casse. Cassos. Putain, mais on passe la porte? Putain, mais quel con! Un monde de larves, ça aurait donné. Tout à fait, Ramtar, tout à fait. De revenant de RER2. Pas faux. Pas faux ce que tu dis, Darky, ouais. Même s'il mélange pas tous les virus, même si c'est qu'un virus qui infecte le monde entier, bien ça recrée un bordel, de toute façon. Ouais. Dans tous les cas. En ratisse loin, en ratisse large de loin, cette porte là, fermée par un verrou simple. Oui, mais que dit du coup qui peut accéder à cette salle, de toute façon, entrer ensuite dans le bar. Voilà, du coup, allez. Ils l'ont déjà fait dans le film. Oui, ils l'ont fait dans le film, mais c'est pas pour autant qu'ils sont obligés de le faire dans le jeu. Enfin, ils ont déjà commencé avec du coup RE6 à moitié. L'arrivée des Hunters dans cet opus, bah les Hunters du coup que je trouve assez dégueulasse comparé à ceux de RE1, enfin de la version PS1 de RE1 du coup, voilà, ils sont pustuleux et tout, vraiment crade. Oh ça va en plus, ils prennent pas trop cher là, enfin ils prennent cher justement. Les films, faut les jeter au feu avec Paul Anderson. Ah, tout à fait, Raptor, tout à fait. Si tu veux, je te donne un coup de main, mec. Ah, du coup, salle de sauvegarde, bah. Ah, quoi. Ah, si, attends. Intéressant. Le spray, au pire, je vais en garder 15 sur moi. J'ai pas gardé les 3. Enfin, si. Je vais garder les 3, on n'est jamais à l'abri. Jamais à l'abri d'un problème. Comment ils ont fait pour qu'on leur abri ici? C'est clair. C'est une plante bleue. Une petite plante. Merde, j'ai oublié mes feuilles, mon tabac. C'est commun. Dans les casiers ici. Ouais, des balles de pistolet. Quelqu'un peut me dire si du coup ce que je vais mettre à l'inventaire dans le coffre avec Carlos, est-ce que ça va repasser automatiquement
Dans le coffre agile, les amis, quand même. Savoir quoi, ne serait-ce que pour les sons, les balles encore, je m'en fous un peu. Les rapports, hop, les cartes de côté. Bon, jamais j'ai envie de les lire à un moment ou à un autre. Là. Du coup, je refais une petite pause de toilette, vite fait, les amis, avant de continuer. Et je reviens à tout de suite. Et re les amis. Bon, cette fois je pense que je suis parti pour faire au moins voilà toute la phase du coup de l'hôpital d'une traite. Ça parle des films à ce que je vois. Oui, l'histoire de Silent Hill Bio, elle a été changée dans le film, mais ça reste assez proche du jeu. Ils ont réutilisé directement une femme. Aucun homme.
Mais voilà, ils ont assez bien réadapté l'histoire, je trouvais, quand même, pour Silent Hill. Après, comme disait Darky, faire du. Voilà. Les événements du manoir dans le 1 correctement, ils auraient suivi finalement ce qu'avaient raconté les jeux dans le même ordre, ça aurait été bien. Et bio, comme tu dis, certes, ça aurait été du copier-coller, mais ça aurait plu aux fans. Après, vous parlez. Holt dit de faire un flash film. Bah, au pire, j'ai déjà une personne en tête pour faire Wesker, hein, le copain à Darky. mon briquet, j'allume ma cigarette et on reprend les loulous. Tu dis que t'exagères au niveau du nombre de fans, mais je pense pas, c'est sûr que le chiffre est aussi gros, mais t'es peut-être pas loin. T'es peut-être pas loin. Oh, mais merde. Voilà. Bah, à la limite, il est pas assez musclé, mais il représenterait bien quand même le personnage. Voilà, j'ai vu à quoi il ressemblait, donc ça peut le faire, franchement. Alors, hop. Faut que j'aille au sous-sol ou au premier étage en premier, les gens? Je sais plus. Oh, vas-y, on va à l'étage. Darky dans le rôle d'Alex. Ouais. Pas faux. Oui, toi, Bio, t'es complètement taré, donc oui, dans le rôle d'Alfred, toi. Du coup, attends. Je crois qu'il faut d'abord que j'aille au. Ah, dans cette salle-là, en l'occurrence. Oui, Schwarzy, je pense que ça aurait peut-être été plus Chris. Nikolai, you're still alive? You saw what happened. What's going on? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. Wait. Voilà, là, au moment du jeu, on découvre que Nikolai est un prêtre. Ouais, j'ai toujours vu le mec qui est le James Bond actuel dans le rôle. Ah, dans le rôle de Chris West, l'acteur du James Bond récent, ça aurait été un bon acteur, je pense aussi. J'aurais vu James Master Spike. Ah, celui qui joue un vampire là. Daniel Craig, je vois même plus qui c'est moi. Sérieusement, il y a quoi faire ici? Ah oui, la clé de l'infirmerie. Voilà, on se rend tout de suite compte que vu ce qu'il y a quand même ici à l'étage déjà, c'était pas un hôpital anodin, on va dire. Toi, t'as pas des battants aussi? Il fait du moonwalk, Carlos. Voilà, Nicolas il a sauté par la fenêtre. Voilà, je récupère la clé. On va aller de l'autre côté. Bio, t'es complètement barré, toi, au niveau des acteurs.
Voilà, pour entrer dans cette salle-là. Ah voilà, je crois que c'est en bas qu'il faut le mettre, le machin. Attends. Halt, s'il te plaît. Ou quelqu'un d'autre, faut le mettre dans quel angle, s'il te plaît, là, l'angle à droite ou à gauche? Je sais plus. Et moi en Steve, les amis. D'ailleurs, faut que je m'y mette un peu plus sérieusement pour trouver les fringues correctes. Que encore le pantalon style militaire kaki, je l'ai. Le t-shirt jaune, ça peut se trouver au pire. Bah, pas forcément de couleur unie, mais ça se trouve. Après, voilà, il faut juste que je retrouve une veste en jean. Attends, en fait, je suis con. Faut aller vérifier dans quel angle il est dans l'autre salle, non? Je suis con de demander. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de décalage ce soir, quand même, sur le live, c'est assez bizarre. Que j'ai pas augmenté le débit pour l'encodage tant que ça. Bande de merde, voilà. Ah bah des plantes. Ouais, l'actrice qui joue Claire, encore dans les films, ils l'ont pas trop mal trouvé, je trouve. Pareil pour l'acteur qu'ils ont choisi pour Chris, là, celui qui joue le petit frère dans Prison Break. Pas un si mauvais choix que ça, ils auraient pu choisir pire. Faire ça. Dans l'angle du côté de télé. Attard, ça fait Drago Malfoy. J'irai voir ça après, les gens. Du coup. Oui, non, je le repousse d'abord vers l'extérieur. Pire, je m'en fous si je me gourre, faut juste que je ressorte de la salle. Tu pousses le? Voilà. Parfaite en clair, je vous dis, elle a la fille. En tout cas, vu que tout le monde est concentré, personne ne fait forcément attention à ce que je fais. J'avais demandé un peu d'aide, les amis. Très cool. Là, j'étais pas sûr. On va bien voir si c'est ça. Hein. Ça se déclenche. Non, bon, bah, c'était pas ça. Une décharge. C'était l'autre. Et toi qui critiques toutes nos idées, Darky propose un nom qu'on voit. Darky, elle avait proposé des bons choix au niveau acteur masculin pour certains personnages, bah, sur un topic de l'ancien forum, du coup, c'était. Ouais, et Raptar, tu dis catastrophe pour l'acteur de Chris, bah, c'est sûr, il n'a pas la coupe. Mais moi je trouve qu'il faut pas trop mal choisir l'acteur encore. Alors là.
pas censé. Oui, Hulk, j'ai demandé de l'aide, du coup j'ai trouvé tout seul en testant. Mais j'avais demandé de l'aide pour savoir où est-ce qu'il fallait le placer, le machin, là, mais du coup j'ai trouvé tout seul. C'est pas grave. On n'a pas tué le dernier. Oui, ici au retour, il va y avoir des hunters, ça je m'en souviens. Je vais dans l'inventaire. Dans une part, quoi. Bio qui est complètement à l'ouest, hein, franchement. Je crois que je t'ai pas vu, toi, le petit là-bas. Voilà. Problème réglé. Ouais, bien, t'es complètement à l'ouest quand tu parles d'un truc. Franchement. Ah ouais, il va y avoir la petite énigme. Un microscope de précision. Tiens, ça devrait t'intéresser cette salle d'artiste. Ah, la base moyenne. Ah, dans tous les cas, on est obligé de l'activer. Franchement, vous êtes désespérant les gens. Alors, oula, c'est comment déjà que ça. Ah merde, je vais le laisser activer lui. Activer le pas. Ça me rappelle un peu l'énigme à la con là où il fallait remplir une jauge pour remettre la pression du pont là dans le Véronica. Non, c'est pas ça. Bon.
Ouais. Non, ça va, j'ai pas trop galéré sur l'énigme encore, on va dire. Voilà, restez par terre vous deux. Pour 5% si je peux la recharger, je la recharge. Et plus que ça vous fait juste des pourcentages. Ouais bah c'est bon du coup, j'ai pas trop galéré, franchement je suis content. Bah, c'est vrai que l'actrice qu'ils ont pris pour faire Jill dans le film, du coup, était pas trop mal encore, mais ils auraient pu trouver mieux. Ils m'ont pas mis de trucs ici. Étonné. Peut-être parce que je suis en facile. Du coup, on remonte et on va aller donner notre petit antidote à Jill. Celle des films, mais vraiment, ouais, je la trouve bien, moi, celle des films. Bon, il n'y a plus personne. Ah, il nous fout ça dans la salle, il nous le refoule pile dans la salle de sauvegarde en plus. Ah non, c'est juste à côté de la salle de sauvegarde, c'est con. Go to save Jill. Yes, yo, yes. Rien de libérer mon inventaire, de toute façon je vais rien récupérer de plus. C'est pas qui hein, ce monsieur, mais je le trouve trop bien pour Wesker. À 20 secondes pour passer une porte, franchement quoi, ils ont été là. Sévère par rapport à celle du jeu. Tiens, bah le retour de l'épilepsie. Trop sévère par rapport à celle du jeu, après ça se discute. C'est vrai que voilà, il n'a pas fait un bon caractère au personnage, ça je dis pas le contraire. Putain, le bruit de l'explosion qui fait saturer par contre le sang. Ah, laisse tomber quoi. Ça vient de me péter les oreilles. Bah voilà, après le fait qu'elle fume, ils ont voulu rajouter ça au personnage. Ah, ils ont voulu. Franchement, ouais, ils ont voulu lui donner un caractère totalement différent de celle du jeu. Et je trouve ça bien dommage. La mettre en main, mais... Moi, je m'en souvenais pas de ça. Pas m'empoisonner. Donc du coup les amis, on va aller soigner notre petite Jill adorée et on va s'arrêter là. Hop là. Comme ça je reprendrai la prochaine fois. Ouais,
Ouais, du coup, je réfléchis bien, ça devrait lui faire deux parties la prochaine fois. Ça va lui faire tranquille. Là, il est en fou en bordel juste pour défoncer un mur quand même, le Némésis. Le Némésis, attends, il prend un coup de poing dans le mur, c'est le mur, il casse, attends. C'est Némésis, quoi. Putain, mais... Mais casse-toi! Enfin, ouais, le coup, j'arrive pas à faire refaire à mon personnage le demi-tour rapide. J'y arrive pas. On sauvegardera avec elle juste après. Bon. Pendant le moment où c'est noir comme ça, les bruits, on se demande un peu ce que Carlos lui fait à dire. Hey, are you okay? Yes, barely. What's going on? No way! That monster just doesn't give up. If what? I thought we Némésis killed that n'abandonne thing. Jamais. No, it's been waiting for you. He's playing with us. Carlos, do you think that it's unstoppable? You don't... No, I don't think so. I'm sorry, Jill, but I've got to go take care of a few things. Oh, and bad news. Nikolai is still alive. I'm sorry. Nikolai? Are you sure? Yes. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Remember, don't trust him. Voilà. Ah, c'est vrai que j'avais l'inventaire qui était bien plein avec Jill quand même. Là. Bah du coup, je comprends maintenant, il n'y a aucun transfert d'inventaire. Eh, je vais pas m'emmerder pour la suite du jeu, je vais garder le F16 en fait. Tout le coup, ça va commencer à faire à bien faire, mais voilà quoi. Au pire, faire du museau dans ce bateau. Donc sur ce les amis, on va faire notre petite sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu encore une fois les amis. Merci à tous d'être venus ce soir. Bio, Darky, Raptar, Holt et Scare. Merci à vous tous d'être passés, franchement les amis. Je suis content, on va dire, que vous soyez là. Et sur ce, bonne nuit à vous les amis. Ciao, ciao.